Alléluia, mes frères. Oui, bonjour. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Attention, tous ensemble. C'est les conseils pas chers. Bravo, bravo. Les conseils pas chers avec Romano, Don Romano ce matin même. Bonjour, Don Romano. J'aimerais bien qu'on m'appelle Cardinal. Cardinal, bien sûr. L'autre, il a bu. Hein. Je vous le précise, hier, il a fêté son anniversaire. Non, mais j'ai bu que dalle. Bah, il est pompette, hein. Écoutez, l'autre, il se prend pour un cardinal. Il est venu habillé en noir aujourd'hui. C'est hallucinant, quand même. Ouais, non, mais... Transformation. Vous avez vu le pape, alors? Ah, bah, ça y est, il démissionne. Il dit peu, mais le pape qui démissionne depuis 1400, je sais pas combien. Ouais, c'est... Ah, ouais, c'est bon, au moins, il restera dans l'histoire pour un truc. Exactement. Il est fatigué, Benoît XVI. Eh bien, Benoît XVI cherche un remplaçant. Eh ben, je pense que c'est l'homme de la situation. Mais bien sûr, Romano. Le Vatican blindé là-dedans, là. Quoi, t'aimerais bien vivre au Vatican? Tu dois te faire chier quand même. Il y a que des hommes. Ouais. Bah, il y a que des hommes. Non, il y a des bonnes sœurs aussi. Ouais, non, mais. Donc, c'est un gros pervers, Flavien. Il serait pape, il serait un pape scandale. Ouais, non, mais bon, en tout cas, il y a plein d'argent. Et puis moi, je peux dépanner, quoi. Ah bah, je peux dépanner, je peux remplacer en attendant, quoi. Ah, qu'ils en trouvent un nouveau, quoi. Le nouveau arrive avant Pâques. On va mettre la fumée blanche, alors. Qu'est-ce que tu veux faire pour gagner de l'argent? Parce qu'il faut... Bah, je vais demander, là, on va faire une quête pour lui offrir un cadeau avant qu'il parte. Au nouveau pape? Non, à l'ancien. Ah, ouais, à l'ancien pape. Bah oui, c'est vrai, excuse-moi. Bah, pour sa retraite. Oui, c'est vrai. Alors, la retraite du... de Benoît XVI. Eh, papa. Papa Ratzinger, il appelle. Oui. Bonjour, je suis le papa. Comment allez-vous? Allô? Bonjour, madame. Monsieur. Didier. Didier? Oui. Oui, bonjour Didier, comment allez-vous? Et vous arrêtez de casser les couilles à 6h du matin. Oui, mais vous parlez sur un autre ton, je suis quand même le cardinal Romano. Hein. Ben, je t'emmerde, moi, connard. Oui, ben, tu sais que je vais, ça va être moi le nouveau pape. Eh, vas-y, continue, PD. Eh oui, oh là, c'est très sympa. C'est pas très genre... Bon, en tout cas, ce qui va se passer, c'est que je vais venir te voir avec ma papa mobile. Ouais, bien sûr, ouais. Et tu vas me donner un petit peu d'argent. Ouais, d'accord, je reconnais ta voix, toi, t'es un mec de la radio. Eh ouais. Ouais. Eh ouais, bon, je peux passer te voir? Oui, bien sûr. Bon, bah, j'arrive d'ici 10 minutes à quart d'heure. Tu me verras arriver, j'arrive en papa mobile. Vom. Ouais, y a pas de souci. Bon, bon, mettez la papa mobile en route, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Allez, va te faire enculer maintenant. En route chez Didier. Oh oui, Didier. Sympa, Didier. Je te reconnais, t'es un mec de la radio. Mais oui, Romano, ouais. Exactement. Il est fort, ce Didier. Il a entendu le pape à la radio. Fort et de bonne humeur. Ah, bah, de très bonne humeur. Bon, peut-être un autre. Allez, peut-être un autre. En tout cas, non, n'empêche qu'il est d'accord pour que je vienne. Hein. Ouais, ouais. Avec ta papa mobile. Oui, j'arrive en papa mobile. Est-ce que tu veux que je fasse Benoît XVI? Ouais, tu vois. Bonjour, je suis Benoît XVI. Bonjour, monsieur Romano. Bonjour, Rafo. Je m'appelle Cardinal. Ah, Cardinal. Allô, Alain. Allô, Alain. D'accord. Voilà. Alors, bonjour, monsieur Romano. Bonjour, monsieur le pape. Très bien, l'autre, il y croit. Je te dis, t'as pas dessoulé, Romano, depuis hier soir. Christian? Allô, Christian? Christian? Oui. Oui, Christian, bonjour, comment allez-vous? Mais qui êtes-vous? Je suis le cardinal Romano. D'accord, merci, au revoir. Ah bah de rien, bah je sais que vous êtes très ému, mais quand même un peu de... Les gens sont émus, mais émus à un point que j'imagine. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Hein. Voilà, heureusement qu'on a eu le premier quand même. Hein. Oui. Voilà, bon bah écoute, merci Romano. Allez, non, je suis cardinal. Ah, non mais tu vas me faire chier toute la matinée avec je suis cardinal. Je suis cardinal Romano, baisse-moi les pieds. Voilà, c'est ça. Ah, non, à 6h12 du matin, on va peut-être éviter. Si, tiens Flavien, baisse-moi les chaussettes. C'est ça, ouais. Dans un instant, tiens, je voulais pas annoncer en début d'émission, mais on n'a pas oublié vos allers-retours au soleil. C'est à gagner avec l'invité mystère à découvrir dans un instant sur Sky. Préparez-vous. Le temps de se réveiller avec Black Eyed Peas, on va réécouter, ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté ce titre là. Just Can't Get Enough pour se réveiller ce matin. Ouais. Et juste après, donc, aller-retour soleil, invité mystère à découvrir, il est 6h13. Conseil pas cher, c'est l'heure. Ouais. Et attention. C'est les conseils pas chers. 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 Alors une info ce matin qui a donné une idée à Romano pour gagner de l'argent. Écoutez bien, qu'est-ce que c'est l'info du jour? Alors c'est David Guetta. Qu'est-ce qu'il a David Guetta? Lui c'est un malin lui.
Le mec va faire un concert à Marseille, là, le, je sais pas quand, en juin, là. En fait, bon, s'il fait ça au parc Borély. Donc, déjà, la ville de Marseille lui file le parc Borély gratuit, lui file 400 000 euros de subventions pour organiser le concert. Mais lui, à côté. C'est bien les subventions des Marseillais, c'est vos impôts. Et c'est bien, c'est que, par contre, il vous fait quand même payer les places de 44 à 60 euros. Donc ça fait scandale à Marseille parce que les gens disent bon si on lui file une subvention au moins les places elles devraient être gratuites quoi. Ah bah non il prend les 400 000 plus votre thune des places. Pépère quoi. Ah bah, oh bah lui il va passer une bonne soirée lui hein. Ah bah tu m'étonnes. Il va bien repartir. Et bah ce matin j'ai demandé une contribution aux Marseillais pour payer les 400 000 euros de subvention. Ça va sans doute leur faire très plaisir aux Marseillais. Bah attends, il y a quand même une star qui arrive hein. Et ouais, David Guetta arrive. Yeah David, yeah man. Je suis vraiment trop content. Super, ah bah, David. Il est content, le, t'as 400 000 euros. Ah, là, ouais. 400 000 euros, faire par la ville de Marseille, tu peux être content. Hein. Allez, c'est cadeau ça. Allez. Allez, c'est le cas. Allô. Bonjour. Bonjour. Allô. Allô. Allô, Alain. Allô, Alain. Oui. Oui, bonjour. Service culturel de la ville de Marseille à l'appareil. Comment allez-vous? Pardon? Le service culturel de la ville de Marseille. Voilà, vous êtes bien bonheur, vous. Eh oui, bah, ah, bah, pour une fois qu'on travaille, on va pas se plaindre. Bon. Eh bah, écoutez, je veux continuer à dormir si vous en voudrez, je ferai. Ah non, mais attends, je voulais te parler d'un truc. Balance David du Guetta, sang. Ouais. Wouh. Allez, loin, moi. Oh, pour un vie, mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, on a pris de la drogue. Il y a David Guetta qui vient, là, au mois de juin. C'est bon, le joint, alors. Eh ouais, ils sont bons, les joints, ouais. Non, c'est au mois de juin qu'il vient. Vous pouvez bon. Pas m'en donner un petit peu? De la drogue? Ouais, le 31 mai. Le 31 mai? Le 31 mai, ouais. Pourquoi le 31 mai, au fait? Ah non, non, je t'ai pas dit le 31 mai. Le 31 mai, c'est le 1er juin. Eh ouais, ouais! Bon, dis voir, il y a David Guetta qui vient. Toi, tu vas aller le voir, toi, je pense. Ah oui. Toi, t'es un clubber. Ça, c'est sûr, même. Allô? Oui. Tu connais David Guetta? David Guetta? David Guetta, celui qui fait de la musique. Le DJ là qui lève les bras. C'est lui. Ouais, il est avec les cheveux longs, ouais. Ouais, il a les cheveux longs, ouais. Il a un piano aussi. Ah là, il a un piano. Il est américain en plus. Ouais, il a moitié américain, ouais. C'est ça. Bah, c'est David Guetta. Ouais, c'est David Guetta. Bon, dis voir, il fait un concert au parc Borély là. Eh ben tant mieux, j'ai pas le voir. Hein. Eh, il y a comment, il y a une subvention, on lui a filé une subvention 400 000 euros parce qu'il est bien dans le besoin. Et on voulait que tu donnes un peu d'argent là pour organiser le concert. Je lui ai donné un chèque de combien? 400 000? Ah, 400 000! Pas de problème! Ah, écoute, ce que je te propose. Bah, tu te lèves vers quelle heure là? Vers 8 heures? Eh, tout à l'heure. Je me lève à 9h. Eh, bah, à 9h. Bah, à 9h, je me pointe chez toi, boire le café, tu me feras un petit chèque. Ouais, pas de problème. Hein. Et on dansera sur David Guetta, ça va être super. Ouais. En fumant de la drogue. Ah ouais? Bien sûr. Apporte-moi des joints. Hein. Ah, je vais t'amener les joints. Je te donnerai 400 000 si tu apportes des joints. Ok, bah, d'accord, pas de problème. Bah, à tout à l'heure, mon ami. Allez, premier joint. Hein. Hey, allez, allez là, ouais. Hein. Hey, le mec s'arrête plus, quoi. C'est bien, on est tombé sur un Marseillais. Ouais, drogué. Ah bah, tiens, il pète. Oui, parce qu'il est content. Aussi. Bah oui, il est content. Allez, joints. Allez, joints. 400 000 euros, il nous prend pas pour des cons, nous demande régal là, sur SMS. Non, pas du tout. Et il y a des mecs qui ont fait le calcul, parce que je sais plus combien il y a de places au parc Borély. En gros, le chiffre d'affaires des places, ça va être 1 million d'euros, un truc comme ça. Donc le mec, il se met bien. Le mec, il se met bien, quoi. Il est sympa, David Guetta. Ah bah, il est sympa. Hein, quand on lui file 1 400 000 euros. Ah bah, attends, il est heureux comme tout, le mec. Bah, il va passer une belle soirée. Hein. Il va te passer 3 disques, les platines éteintes. Ouais, explique pourquoi, quand même. Non, parce qu'en fait, il y avait une vidéo qui tourne sur le. Bah, d'ailleurs, elle doit toujours y être. En fait, c'était une soirée, je sais plus où. Et le mec, en fait, il y avait une caméra derrière et en fait le mec il avait les bras en l'air, il était à fond dedans mais les platines elles étaient éteintes. Ah merde. Donc pour passer le son c'est difficile. En fait le mec il arrive avec son iPod, ouais, il branche son iPod sur les platines. Ouais c'est ça, il fait le même mix dans tous les pays où il passe et puis c'est parti, il empoche le pognon. Voilà, 1 400 000. Eh ouais, c'est bien cher. 400 000 euros de subvention, 1 million par les places, c'est pas mal. Ah, une soirée rentable. Et si vous voulez aller le voir gratuit, pas cher, David Guetta, faut gagner vos places pour Rihanna aujourd'hui, pour le parc de. Le Stade de France, il est en première partie, ouais. Et en première partie de Rihanna, donc bien pratique. Le prix que ça coûte, c'est gratuit. Ouais, ouais. Allez, ça sera tout à l'heure dans la Sky Roulette. Il est 7h16. Dans un instant, invité mystère à découvrir. Préparez-vous et Macklemore pour se réveiller tout de suite sur Sky. On écoute Thrift Shop, le son de Macklemore maintenant sur Skyrock. C'est parti, gros son de Macklemore, l'américain. Macklemore qui déchire tout avec le bébé au début. Ouais. On me demandait d'ailleurs si c'était le sien. Non, c'est pas le sien. Hein. Non, on sait pas qui c'est. Non, c'est un gosse comme ça qui s'est pointé sur le son. Eh ouais. Conseils pas chers sur Sky, ça. C'est l'heure. C'est les conseils pas chers.
C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Pas cher. Eh oui, les conseils pas chers, exceptionnels ce matin. Jamais on a fait ça. Bah, c'est normal, le pape il démissionne pas tous les jours. Hein. Eh ouais. Ça t'a donné une idée géniale, Romano. Bah, de prendre sa place. Et voilà. Bah, tout simplement. Normal. Tu sais que le Vatican est un des états les plus riches du monde. Ah ouais, ils sont pétés de thunes. Bah ouais, ah ouais, grâce aux touristes qui viennent au Vatican. Non, mais ils mettent des sous dans les boîtes là. Exactement, ils mettent des sous dans les boîtes. Pour les cierges et tout là. Non, mais t'as vu le nombre de personnes qu'il y a, même si chacun met un euro, ça va. Hein. Eh ouais. Et donc, Romano, c'est pas tombé dans l'oreille d'un chauve. Mais non. Et ce matin, c'est parti. Voici je suis le cardinal Romano. Bonjour, cardinal Romano. Alléluia, cardinal. Bonjour. Ah non, c'est attends. Ça, c'est E.T., ça. Oui, bonjour, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs. Bon, t'as encore du boulot hein, pour devenir ouais. Papa. Ouais, bon. Bon, ce matin, tu vas demander. Tu vas demander quoi, d'ailleurs? Bah, des sous. Des sous pour des quoi? Offrandes. Bah, pour l'ancien pape, lui file un cadeau. Allô? D'accord. Allô, oui, Gérard. Bonjour, Gérard. Gérard? C'est lui? Comment? Il est en appareil, là. Ah, bah, c'est, je crois que j'ai fait une petite erreur de numéro, mon GG, là. Eh? Ouais, j'ai dû faire une erreur de numéro, effectivement. On s'est ouais. Trompé. Excusez-moi du dérangement. C'était le nouveau pape à l'appareil. Voilà. D'accord, pourquoi tu l'as raccroché? Non, parce que je crois que c'était un papy un peu. Ah, c'était un papy. Alors? Ah, voilà, c'est mieux, ça. Là, on est chez Christian. C'est Christian? Comment ça, Christian? Eh, bah, toi, t'es Christian? Ah, qu'est-ce que, comment vous le savez? Ah bah parce que je le sais. Ouais, salut. T'as écrit qu'il y a eu. Comment vous le savez? Bah ça, il était surpris. Hein. C'est juste écrit dans l'annuaire. Ouais, mais comment il sait mon prénom? Bah, ouais, alors on va chez Jean-François. Jean-François. C'est ça. Tu es déjà en contact avec l'au-delà, tu sais comment s'appelle Christian? Oui, et là je vais parler à Jean-François. Oui, Jean-François. Oui, cardinal Romano. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Oui. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Allô. Bonjour, je suis... On a la femme à Jean-Claude. C'est la femme à Jean-Claude? Oui. Oui, bonjour la femme à Jean-Claude, comment allez-vous? Ça va, à qui ai-je affaire, monsieur, s'il vous plaît? Et vous avez affaire au cardinal Romano, je vais peut-être être le nouveau pape. Pardon? Le nouveau pape. El papa. Le non, pape. Attendez, vous plaisantez. Eh ben non, pas du tout. Benoît XVI, là, terminé, il prend sa retraite. Oui, non, mais je sais, monsieur. Oui, eh ben je prends mais sa place. Mais je vois pas pourquoi vous m'appelez. Eh ben je suis le nouveau pape. Donc ah, je, oui. Je viens me présenter à vous, je suis le cardinal Romano. Et nous aimerions faire une offrande à Benoît XVI pour le remercier de tous les services rendus à l'église et nous donner un petit peu d'argent. Oui, est-ce que c'est vous qui avez appelé déjà tout à l'heure? Oui, c'est moi, exactement, j'avais oui. Un problème... C'est très malin de votre part, monsieur. Oui, bah excusez-moi, dans la cathédrale, le téléphone passe mal, hein. Parce que je peux, moi... Il n'y a pas de réseau. J'étais dans la crypte, oui, j'étais dans la crypte. Je viens à la maison. Non, voilà. Non, elle non. Flippée, là. Là, tu lui as fait peur, Romano, oui. Non, au début, elle était quand même hallucinée de parler au pape. Hein. Ah, ouais. Quand même. Oh, le pape. Mais surtout, nouveau pape. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire, le nouveau pape. Oui, phénoménal. Bon, merci pour ce bon conseil pas cher. On en fait un dernier, c'est qui? Allez, Jean-Michel. Jean-Michel, je vous passe quelqu'un, vous bougez pas? Oui, bonjour, frère Jean-Michel. Jean-Michel? Jean-Mi? Jean-Mich? Je suis le pape. Oui, ok. Bon, Jean-Mich. Et moi, je suis le pape, ok. Et ça, nous allons chanter les conseils pas chers. Oh là là. Are you ready, Emily? Ah, ça y est, le grand jour est arrivé. Ah ouais. Eh ben, envoyez la musique, s'il vous plaît. Du sound. Du sound. Allez. C'est les conseils. Les conseils pas chers. 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 Bon, toi, tu vas ambiancer la Altony Garnier à Lyon, ça va être la folie, Émilie. Ouais. On te fait un gros bisou, Émilie, bonne journée à toi. Eh ben, merci beaucoup, bonne journée. Salut, Émilie. Salut, ciao. Salut. Et prochaine Skyroulette, c'est aussi avec Fred tout à l'heure, la Skyroulette. Mais d'abord, conseils pas chers. Conseils pas chers, bon, on va rester dans le sound. Ouais, écoutez bien ce sound. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est I Got a Feeling. Ouais, et qui est-ce qu'il y a sur ce morceau à part les Black Eyed Peas? Bah, c'est David Guetta qui avait fait la musique. Bien joué, Romano, bien joué. Justement, on va parler de David Guetta et de son concert. Il sera d'ailleurs en première partie de Rihanna au Stade de France avec Sky. Un concert polémique à Marseille au Parc Borély. Et oui, parce qu'il sera en concert aussi, mais tout seul, sans Rihanna, au Parc Borély à Marseille. Non, il sera avec Mika.
Relax, take it easy. Très bien, il a à peu près la même voix que Rihanna. Voilà. Donc à Marseille, un grand concert organisé, un concert qui fait scandale. Vous êtes sans doute au courant, les Marseillais, les autres, explique Romano. Bon, alors le concert aura lieu. Hein. Mm-hmm. Bon, évidemment, alors en fait, il a demandé une subvention. Quoi. Une subvention a été accordée pour ce concert. C'est 400 000 euros la subvention. Ah oui, ils sont sympas les Marseillais. Vous êtes généreux à Marseille. Ah, ouais. En plus de ça, ils mettent à disposition a priori gratuitement le parc Borély où aura lieu le concert. Ouais. Et en plus de ça, hein, pour couronner le tout, bien entendu, les places sont payantes. David Guetta fait payer les places. Ouais, de 44 à 60 euros. Ouais, d'ailleurs, David Guetta a quelque chose à nous dire. Oui, David. You're rocking, man. Ouais. Je suis vraiment trop content. Ah bah oui. J'avais vraiment peur. Ah bah écoute, bah, je suis pas peur de quoi, mais bon, parce que ça vient foutre, j'avais vraiment peur, mais il est content, David mais Guetta. Mais là, il a peur. Alors, bon, ce matin, je vais aller à la mairie de Marseille. Et je suis Romano Guetta. Mm-hmm. Bah, moi aussi, je demande une subvention, 400 000 euros pour un petit concert. Ou alors, soit je dis que... Bon, allez, c'est parti. Soit tu dis quoi ? Que je suis l'agent de David Guetta et que je vais chercher le chèque. Les lois de David Guetta, là, quand même. Ouais. La ville de Marseille met à votre disposition un numéro pour répondre à vos urgences. Allô, je suis vraiment trop content. 813. Allô, mairie, 0810 813 813. Ah, 13, comme l'OM. Ah oui, bien vu. Marseille, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous ce matin ? Ça va. Dites voir, c'est je suis DJ là, Romano Guetta là, pareil. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Et je vous appelais là pour avoir une subvention pour organiser un événement là sur Marseille. Parce que j'ai vu que vous aviez donné 400 000 euros à David Guetta. Et je me suis dit pourquoi pas faire moi aussi une soirée et puis demander une petite subvention à la mairie. Vous êtes très généreux. Tant de subvention. Pas ce service d'échec. Connectez vos sites internet marseille.fr. 400 000 euros. La ville de Marseille met c'est à bon votre ça. Disposition. Le 813, 813, oui. Oui, oui, on connaît, ouais. Allô, mairie. 0810. On n'a pas notre numéro, des fois. 813. Allô, mairie. Allô, mairie. Allô, mairie de Marseille. Allô, mairie. Et bien accueilli. Allô? En fait, ils ont bien fait de mettre en place ce nouveau service qui est quand même assez, assez super. Ah ouais. Je pense qu'il est en test, non? C'est le nouveau service de la mairie de Marseille. Les Marseillais, je vous conseille d'appeler le 0810 813 813. Ah, tu appelles, on t'en raccroche à la gueule. Allô? Qu'est-ce que c'est? Allô, la mairie? Oui, je vous écoute. Eh ben oui. Oh, on a été coupé. Ça a coupé, en millette. Allô, t'as votre accroché à la gueule. Moi. Allô? Oui. Ah ben, bah, passez-moi quelqu'un, la compta, nom de nom. Et quelqu'un de où? Ah ben, bah, de la comptabilité. C'est pour avoir une subvention pour un concert, là. Je viens chercher le chèque de David Guetta, je suis son agent. Les 400 000 euros. On en a besoin, là. Prends en espèce. Allez. Beauté. Oui. 0810. Bon, c'est parti pour un tour. Ouais, c'est allô mairie. 0810 813 813, vous avez bien noté. Hein. Ouais, c'est bien noté. Numéro de téléphone très utile si vous avez un truc à demander à Marseille. Voilà, vous n'aurez pas la réponse, mais appelez-les. Bah oui.